Et on se lève. Bienvenue. Il fait encore nuit apparemment. Donc on a une mission. On a une mission. Après avoir vu pas mal de commentaires et aussi sur le Discord et tout ça, on a une mission. Donc apparemment il y aurait... Je crois que c'est là. Apparemment il y aurait un passage pour une autre zone. Honnêtement je savais même pas qu'elle existait cette zone. Enfin il y a plusieurs personnes déjà qui m'en ont parlé. Mais je savais pas. Pas qu'elle existait, je pensais que c'était juste une. Comment dire? Genre une zone dans la zone, vous voyez par exemple. Je sais pas, genre. Genre là, la grotte pointue, et trucs comme ça, voilà. Moi je pensais que c'était ça, mais en fait non, non, c'est vraiment une autre zone. Et apparemment elle serait. Par ici, hein, on va être large, par ici. Donc là, ici, on a le pont qui mène à Milton, je crois bien. Enfin. Qui mènerait normalement à Milton, qui est bloqué, détruit et tout ça. Mais apparemment, il y aurait quand même un passage pour aller dans une autre zone. Donc, je voudrais aller voir ça. Donc, ouais, on m'a dit en gros que le passage était ici. Donc, je sais pas si on peut passer par le pont, parce que de ce qu'on avait vu, il n'y avait pas vraiment de passage par le pont. Donc, je sais pas si c'est avant ou après. Mais voilà, il y a un truc à faire là. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire au final. Donc, ouais. Donc ouais, on va se préparer et aller là-bas. Bon, là on a les boyaux. Là on a les pots, là on a quelques bombes. Je sais, c'est un peu sombre. Désolé. Désolé. Là on peut faire plus de bombes. Je pense que le coup de faire plus de bombes, on va laisser ça. J'ai pas envie de les déposer par terre. De toute façon, on peut pas vraiment bien décorer cet endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire ça. Voilà, très bien. Après pour l'équipement. Donc on va prendre de la nourriture et de l'eau. Du coup, on va pas faire de flèches. Maintenant, en tout cas. Faut qu'on dépose ça de l'autre côté. On a quoi? 9 flèches et encore 3 qui sont un peu abîmées. On a l'arc à 26%. D'accord, on a un loup pas loin. Et on a ça à déposer et on a des plumes encore. Ok, ça marche. Sinon, niveau boisson, tout ça, calories, on est bien. Donc, ouais, je pense qu'on va tout simplement y aller maintenant. Alors, par contre, je pense qu'il y a trop de temps qui s'est passé entre genre maintenant et la dernière fois qu'on a tué des loups gris, donc on va sûrement se faire attaquer. Donc du coup on va prendre l'autre arc qui est là-bas je crois bien. Le faitout on va pas le prendre. On avait déposé la viande quelque part hein. Ou on avait plus de viande, je me rappelle plus. J'ai un doute. On avait de la viande quelque part? Là, on a des boyaux. Là, on a du bois. La fourrure. Ah. Ah. Peut-être que je l'ai laissé au premier camp? Peut-être. Là, on a que du bois. Là, on a un peu d'eau. Ok. Mais j'ai pas l'air con. Je m'en rappelle plus. Ça, on a dû le mettre de l'autre côté. Du coup, là, je voulais mettre ça. Très bien. Les pointes, elles sont là. Ah, non. Ah, c'est chiant quand c'est plein comme ça. Attendez, on va enlever ça. Très bien. Oui, je sais les loups. 10. Ah, ils sont vénères aujourd'hui. Ok, très bien. On est pas mal, parce qu'en plus on est assez léger. Parce que là on a moins de.
comment ça s'appelle. On a moins de... Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais dit qu'on allait le tuer, lui. Ah, j'avais complètement zappé. Je pensais dans ma tête qu'on l'avait déjà tué. Ah oui, on voulait tester. Est-ce qu'il peut venir jusqu'ici? Est-ce qu'il peut passer la porte, là? Normalement, ouais. Non? Oui, non? Apparemment, non. Apparemment, il peut pas passer cette porte. Il nous a perdu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poursuivre. On va mettre une... Pardon. Voilà. Désolé. La deuxième, c'est la bonne. Très bien. Plein derrière la nuque, là. Bam, comme ça, tac. Il a rien senti. Donc on a zéro viande. Bon, bah apparemment... On a... Ah si, voilà, voilà. Voilà, c'est ce que je me disais. Par contre, je sais pas si ça tient froid, là. Non, je pense pas, je pense pas. C'est une erreur de... De mettre ça là. De mettre à l'intérieur. Ok, ça va, c'est bon. Donc du coup, on pourrait... Non, attends, faut que je réfléchisse 2 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un feu là, on dépasse le machin maintenant ou pas? Moi, j'ai envie de dire, on le fait pas maintenant. Parce qu'on a, de l'eau. On a de la nourriture. Donc on va pas le faire maintenant. J'ai pas envie de perdre du temps à faire ça maintenant. Ouais, on va pas le faire maintenant. On va faire ça par contre. Très bien. 5, 3, 5. C'est bon, 10. Est-ce que notre lampe est pleine? Ouais, 1,79. Non, elle est pas pleine. Je sais que c'est pas beaucoup, hein, mais... C'est juste pour que ça soit plein. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on voudrait, genre, poser, peut-être, pour nous alléger? Je pense qu'on n'a pas besoin de s'alléger plus que ça. Ah, il faudrait prendre, ouais, des pots. Ouais, ça, honnêtement, je pense que réparer les vêtements avec les pots et tout ça, on le fera plus tard. Genre, je le ferai même hors vidéo. Parce qu'il faut en fait un peu faire le tour de la map. Enfin, de cette zone-là pour aller récupérer tout ce qui traîne. Donc c'est pas vraiment super excitant. Donc je pense que ça, j'attendrai. Bon voilà, bon on y va. On y va. Alors, ah oui, par contre, on passe par où? Merde, oui, non, ça c'est... Bonne question, bonne question. Par où on passe? Parce que nous, on est... du coup, on est ici. Donc, nous, on peut passer par... Bon, on va pas faire le tour comme ça par là, non. On peut descendre comme ça, je crois. Ouais, on peut descendre comme ça. Et on va ici. Je pense que c'est bien. Par contre, sur le chemin, on va sûrement trouver donc des loups gris, hein, comme j'ai dit. Mais ouais. Ouais, donc là, on va, ça c'est la sortie, donc on va faire comme ça, hop, 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 ouais, c'est pas, ça m'a l'air pas mal. J'ai envie, ah, il fait un peu plus jour, c'est bien. On va manger, on va se rassasier, prendre 2 steaks. J'ai envie d'en prendre plus des steaks, parce que, pourquoi? Parce que c'est des loups gris. Donc à la limite, ils vont nous flairer en fait de loin, vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'on sente ou pas la viande, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Donc autant prendre
2-3 steaks, vous voyez ce que je veux dire? Non, lui il est bientôt abîmé, enfin il est bientôt fini. Ça là. Alors 3 steaks plus 5 litres d'eau. 3 steaks plus 5 litres d'eau, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal pour faire notre aventure. Ah, très bien. On n'a pas de bois sur nous, c'est pas grave. On a encore... allez, 3 bons kilos. C'est parti. On a encore 3 bons kilos, il va faire jour. On est en pleine forme, on a le sac de couchage, on a tout. Il fait pas extrêmement froid. Je pense qu'on est bon. Parce qu'à la limite, le coup là de qui nous flaire de loin. De toute façon, s'il faut les combattre, faudra les combattre. Il n'y a pas, genre on les esquive, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas genre on met un appât, puis basta, c'est fini, quoi. Ils vont plus nous blairer. Non, non, ils sont là, ils vont nous attaquer, point barre. Donc, autant qu'ils nous attaquent vite, comme ça on se défend, on les tue, on enchaîne. Et on aura de la viande de côté. Là, on a 3 steaks, 3 bons steaks, là on est bon pendant un petit moment. Ça a du sens? Ça a du sens ce que je dis? Par contre, il me faut un bon endroit pour les combattre. Là, j'ai pas beaucoup de bon endroit. Par contre, on descend par où? Par là. Je me rappelle plus, j'ai envie de prendre la map, mais on va perdre du temps et on a froid. Comme ça, et après on devrait se retrouver sur... la zone où il y a l'endroit là, le poste électrique avec la... Je suis pas encore complètement familiarisé avec cet endroit, hein, honnêtement. Mine, non. C'est fédéral, moi je veux par là, moi. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, pas besoin de passer non plus par là. Pas besoin de... Alors ce que je voudrais faire... C'est possiblement aller se réchauffer à notre un des camps là qu'on a. Le poste électrique là. J'entends les corbeaux. Parce que là-bas, c'est pas fermé, donc c'est chiant. J'ai pas vraiment envie de faire un feu pour me réchauffer. Ça c'est... Non, j'ai cru entendre. Là-bas, ça c'est le pont détruit. C'est bon, on y est, hein, on y est. Donc ça c'est le pont détruit qu'on peut pas passer. Ça peut-être. Ce passage-là peut-être. C'est possiblement là. Oh, il y a un... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un cerf ici. Merde. C'est vrai qu'à chaque fois j'oublie qu'il y a un cerf.
Alors, on va arriver. Ouais, elle est pas trop trop fatiguée. On va pouvoir dormir 2 bonnes heures et c'est bon. Donc, on va dormir là-dedans. On passe beaucoup de temps hein, dans ce petit cabanon en fait. Hein. Et après, on fait demi-tour. Et où c'est que j'ai vu là une sorte de passage entre 2 rochers? On va aller là. Et on va voir si ça descend. Est-ce qu'il y a une rivière derrière qui est gelée normalement? Donc on va voir s'il y a un passage genre qui va directement à une autre zone, ou alors il faut descendre, monter, on verra. On verra, on verra. On verra ça. Mais ouais, non là ça se passe bien, là c'est bien. Oh putain. Heures, ça fait peut-être un peu beaucoup. 2 heures. 2 heures, je crois que ça suffit largement, honnêtement. Okay, très bien. J'aime pas trop le bruit du vent là. Mais bon, j'espère qu'il n'y aura pas de tempête. Il y a du vent, hein, il y a du vent. Là, on a encore le cadavre d'un loup. Alors, c'était pas là-bas, c'était un peu plus loin. Parce que là-bas, on sait qu'il y a une grotte. Vous vous rappelez, on l'avait trouvé la dernière fois. Je vais rester près du tronc d'arbre si jamais on se fait attaquer par les loups gris, mais je pense qu'on doit être bon. Alors, c'était là. Ouais, c'est là qu'on a vu, ok. On va voir. Parfait. Ok, donc maintenant faut savoir droite, gauche. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose à droite. Oh là 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 là. Là il y a un pont. Non, c'est rien. Non, non, c'est pas un pont avec l'arbre. Ça, c'est le pont qui est cassé. Ok, là, on passe derrière. Ça va, c'est cool. Bon, on a déjà eu un loup. Le loup, c'est un loup normal, en plus. Là, je voudrais bien trouver un moyen de se protéger du vent, là, constamment. Ce serait bon. Là, on a une arche. Ok, on est en risque d'hypothermie. Ok, là, ça c'est le reste de la route. Est-ce qu'il y a voiture ou... On n'a pas l'air d'avoir voiture. Là, il y a le pont, ok. Tunnel, tunnel, très bien. Quitter BlackRock. Ok, ça marche. Alors techniquement, du coup, la saison, bah, elle est un peu fichue. On n'est pas à BlackRock, là, lol. Col du Gardien Nord, région, nouvelle région. Parfait. Bon, par contre, j'aurais bien voulu que le pont soit long. Vous savez, comme le pont de... je crois que c'est la Vallée Charmante. Non, pas la Vallée Charmante. Toujours pas de batterie.
Qu'est-ce que c'est que ça? Carcasse, ok. Intéressant. C'est le lac mystère, je crois. Où il y a le pont, là, le très long, et on peut rester dedans et tout. Ça, c'est cool. Ok, c'était pas très difficile à trouver. Est-ce qu'il y a un passage là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, ça a l'air d'être un bordel monstre. Par contre, faut voir. Faut faire attention qu'on perde pas trop de vie parce que... Oh mon dieu, je suis bloqué. Ok. Après, j'ai envie de dire, toujours la même question. Un cadavre de loup. Mais qui a tué le loup? Il a été dévoré. Il y a un loup juste devant. Faut faire attention, on a déjà vu un loup. Ok, là, pas l'air d'avoir grand monde. Je vais peut-être aller combattre le loup direct. Peut-être on va faire un feu à côté. Comme ça, on en profite pour le dépecer et tout ça. C'est pas une cabane là-bas? On dirait un toit. Ok, il a eu peur. Ouh, c'est quoi ça? Oh non, pas ces ponts-là, je déteste ces ponts-là. Ah non, c'est pas un... J'ai cru que c'était... un bâtiment, mais non. On a une corde. Bon, go. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est-ce que je vais là? Oh mon dieu. En fait, faut que je me mette à l'abri pour faire un feu si je décide de faire un feu. Donc c'est pour ça que je descends direct. Et après, je voudrais bien dessiner aussi, mais... Où est-ce qu'on est? Oh, dis-moi qu'il y a un endroit pour se protéger. Dis-moi qu'il y a quelque chose. Ça, c'est des rapides en plus. Genre, c'est quoi ma récompense? Oh la vache. C'est quoi ma récompense pour être con? Ok, il y a des champignons. Il nous faudrait une grotte, il nous faudrait quelque chose. Yes! Oh là. Ok, dis-moi qu'il fait chaud. Il fait pas chaud. Ok, bon, par contre, là... Ok, on va faire un feu, parce que là, on va avoir trop froid, sinon. Et on va perdre trop de vie. Et après, on va finir comme le mec, juste à côté de nous. Ok. Ça, on va faire ça. Ah, j'aurais dû déposer le couteau ou je sais pas quoi, parce qu'à chaque fois, elle utilise ça automatiquement. Après, dans 10 minutes, ça le conserve recyclé. Ça marche. On va faire de l'eau. Ok, on a chaud. Ok, cool. Alors, qu'est-ce que t'as sur toi? Putain, merde. La blague. On trouve l'ouvre-boîte après avoir ouvert le truc de force. Je crois qu'elle a utilisé le couteau par défaut. Même si on est à... Ça, c'est aussi un truc qu'ils ont jamais changé. Je crois pas que ça ait été modifié. C'est que si vous avez l'habilité au max... Genre, aucune perte de calories quand vous forcez une conserve. Donc en gros, vous forcez genre à la main les conserves. Et par défaut, en théorie... Quand vous êtes au mag, du coup, vous perdez pas de calories. Vous avez pas besoin de couteau ou quoi que ce soit, je crois. C'était ça. Je me rappelle plus exactement où. On avait vu ça, là, genre, il y a
la dernière saison. On avait fait des tests comme ça. Voilà, très bien. Ah oui, je voulais le montrer aussi. Ouais, maintenant c'est trop tard. Le fait que c'était à 0%, mais normalement ça a repris 50% de durabilité parce qu'on l'a fait cuire. Alors, dis-moi que... Yes! Pistolet de détresse. Mais il n'y a pas de... Ouais, non, il n'y a pas. On a un pistolet de détresse, mais on n'a pas de fusée. Il y a zéro fusée dedans. Il y a zéro fusée dedans. Ce qu'on va faire, c'est... Ah, j'ai pas de charbon. Ah, j'ai pas pris de charbon sur moi, merde. Je peux même pas... Oh, par contre, le lit, il est super loin du feu. Vous avez vu? Il est quand même super loin du feu. Genre, si on se met sur le lit... Genre, on a zéro... zéro de feu. Donc, il faudrait se mettre, genre, là. Genre, le plus proche possible du feu pour pouvoir target. Et après, là, on peut dormir et avoir la chaleur. C'est embêtant, ça. Alors, du coup... On a des... On a ça. Non, pas eau. On va faire ça. Le potable. Ok, on va se balader un peu à droite à gauche. Faut juste qu'on se réchauffe, vite fait. Le non potable d'une minute, ça. Ah oui, non, pas trop, parce que c'est vrai que ça donne aussi des calories. On va boire ça. C'est surtout pour la chaleur, en fait. Voilà, très bien. Je peux... Ouais, je peux prendre une torche, mais bon, j'en ai pas vraiment besoin. On va pas aller très très loin. Alors, est-ce que du coup, il y a quelque chose à faire ici? À part mourir. Là, il y a le pont. Je sais même pas si on peut le prendre, le pont. Pensez qu'on peut le prendre? Il a l'air vraiment en piteux état. Hein. Il a l'air vraiment cassé, le truc. Par contre, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. C'est une grotte ça devant? À droite, à gauche là? Je pense que il n'y a plus rien à faire ici. Là. Non. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire en fait. Je pense qu'on va se reposer et reprendre la corde. Je crois que ça sert un peu à rien en fait de rester là. Honnêtement. On met tout le bois parce que... Comme ça, ça fera un bon feu. Mais surtout, c'est parce qu'on s'en fout un peu. On va pas peser 3 tonnes pour remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on pourra faire de l'eau. Comme ça, on pourra se réchauffer. Ouais, bof. Bon, vu qu'il fait encore jour, ce qu'on va faire... Du coup, il faudra prendre ça. Non, ça, on va le faire après. On va s'en servir. Donc, ce qu'on va faire, nous... on va remonter, reprendre la corde. Du coup, on va sûrement combattre Monsieur le Loup. Et on va essayer de passer le pont, voir s'il y a quelque chose. Au moins, là, on est réchauffé et tout ça. Donc, c'est bien. Donc, on va tester ma théorie. Donc, là, on a
le feu. Voilà, le lit. Enfin, ma théorie, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais bon. Alors, on va dormir 5 heures. 5 heures, c'est beaucoup trop, normalement, on va se réveiller. Ah, après, il y a une personne qui m'a rappelé en commentaire, c'est vrai qu'il y a un peu un système avec... avec le feu, genre il dure plus longtemps quand il fait froid. Il y a une mécanique comme ça. Je crois que c'est vrai, mais honnêtement, je vais être honnête, c'est pas vraiment une mécanique que j'ai en tête exactement comment elle fonctionne. Mais il y a un truc comme ça, comme quoi si plus il fait froid, plus le feu dure longtemps. Parfait. Hop, cuir. On boit ça. Et on est bon. On est bon. Un peu de neige, pas bon signe ça. C'est bête parce que j'aurais bien voulu aussi récupérer le charbon pour dessiner. Mais en tout cas, la zone est cool. La zone est sympa. Le fait d'être comme ça à côté des rapides et tout ça, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Normalement, on devrait pas trop avoir de problème pour monter. Je pense que je peux le faire en une fois sans problème. Ouais, ça va. On a les crampons et tout ça. On est en très bonne santé. On a à peine ralenti. On va se baisser. Je voudrais bien finir ça par contre. Comme ça on a que deux. Voilà, très bien. Hop, pas au max. Voilà, très très bien. Bon, tu veux jouer? Allez, vas-y, viens. J'ai tiré dans la patte. Ça c'est con ça, j'ai tiré dans la patte. Mais encore une fois, la flèche qui se casse, il meurt, coup dans la patte. Hein, peut-être 100% critique hein, quand ça casse, encore une fois. Ah, on voit notre feu. Ah, ça c'est classe, ça c'est classe. Ça c'est stylé. Ouais, merde. Alors, fais voir le pont. Le pont c'est par là-bas. Est-ce que les loups entre eux sont cannibales? Enfin, sont cannibales. Non, pas, genre pas forcément, mais... J'imagine que, genre, un loup qui a vraiment, vraiment faim, et qu'il trouve, genre, un loup mort, je pense qu'il le bouffe. Je pense. Genre, j'essaye d'expliquer le cadavre qu'on a vu au début, là. Moi, personnellement, je pense que c'est genre... genre, j'imagine que c'est un ours qui lui a mis une baffe. À chaque fois. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois un cadavre de loup... Je me dis, il y a peut-être un ours. Mais je vais être honnête, je sais pas si vraiment ils réfléchissent comme ça, les devs. S'ils mettent pas juste des cadavres un peu au hasard. Ou alors, genre les loups gris qui aiment pas les loups noirs. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de m'imaginer des choses comme ça, mais bon, après... Oh mon dieu! Allez, que l'esprit d'Indiana Jones... fonctionne. Oh mon dieu, je déteste ces trucs. Parce qu'en plus, il bouge. Donc, faut bouger un peu avec. Sinon, on se prend dans les cordes sur les côtés. Et après, on bifurque sur la droite ou la gauche. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a ? Le pont du constructeur. Putain. Oh mon dieu. Vous voyez ? Aïe. Oh mon dieu, je peux pas avancer. Ok. Et des fois, on se reste bloqué, en fait. Parce que la hitbox, elle change, elle bouge. Elle fait droite-gauche aussi. C'est une horreur ces ponts, surtout les longs. Surtout les bien longs. C'est une horreur. Bon, en tout cas, ça nous fait des aventures, c'est cool. Alors du coup, est-ce qu'on a fait ça pour quelque chose ou pas?
Genre, est-ce que j'ai eu la peur de ma vie encore une fois pour quelque chose ou pas? Honnêtement, je serais. Parce que là, ça a l'air d'une bonne zone. J'aimerais bien trouver, c'est des lapins. Honnêtement. Parce que les lapins, c'est. C'est pas lourd. Donc, je serais méga heureux si on trouve des lapins ici. Ah, des massettes, c'est pas mal aussi. Merde, je pensais qu'il y aurait une grotte. Vu la forme des roches et tout ça, mais... Ouais, par contre, le réchauffement, ça commence à être la merde. On va devoir refaire encore le plein de bois. On va prendre les massettes. Alors après, si c'est vraiment la catastrophe, genre chaleur, on reprend la corde, on redescend. Et on va s'abriter dans la grotte. Enfin, honnêtement, non, c'est même... Non, c'est pas vraiment bien. Enfin, on sera à l'abri du vent. Mais basta en fait. Il n'y a pas de. Parce que ça protège pas contre le froid. Elle est pas assez grande. Elle est pas assez profonde surtout. Donc, bon. Faudrait trouver un truc ici. Je dirais pas non. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. J'ai un peu peur des fois de quand je prends des massettes, genre. Quelque chose qui me saute à la gueule. Pour le moment, ça va. Maintenant on a froid. Okay. Damn, I'm freezing. Oui, bah t'avais qu'à prendre un GPS. Hein. Comme ça on n'aurait pas de problème. Genre qui n'a pas de téléphone portable de nos jours, hein? Ils font tous GPS. Google Maps, hop, tu sais directement où aller, où trouver un abri, où trouver un McDonald's aussi. Il va commencer à faire nuit par contre. Dis-moi qu'on peut trouver un endroit pour s'abriter. Bon déjà ici c'est pas mal contre le vent. Mais j'aimerais bien trouver vraiment un vrai abri en fait. Qu'on n'ait pas besoin de faire un feu. Oh ah, maison. J'ai dit oh parce que y a les arbres là qui sont empilés donc bon. Forestier, machin, bûcheron, donc possiblement... possiblement endroit pour ça. Ah, oh, c'est une maison en plus, c'est vraiment une maison. Il y a une carcasse de serre, pas mal. Je crois qu'on va rusher dans la maison pour se réchauffer. Direct. Ok, il y a du bois, serre. J'ai vu des plumes, il y a des champignons. Pignons. Merde, c'est pas fermé. Bonjour. Ah. C'est quoi ça? Non, ah non, bah non. Ouais. Ah ok, bon, on va se réchauffer. Bon, au moins c'est à l'abri. Bon, hein, j'ai envie de dire au moins c'est à l'abri, c'est déjà ça. C'est pas vraiment l'endroit parfait, mais c'est déjà ça. Je suis pas super fan. Est-ce qu'on a besoin de mettre la bûche? -4. Normalement non, je pense pas.
J'aime pas faire. J'aime pas ce menu. Honnêtement, ce menu, je l'aime pas. Je voudrais bien travailler pour eux et refaire leur menu comme ça. Parce qu'il y a... Honnêtement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le menu comme ça? Genre, vous allez dans cuir et tout ça. Est-ce que vous faites pas plutôt moi? Genre, vous posez les choses par terre, vous les placez directement dessus. Ça va plus vite, non? On est d'accord? Ok, ça, ça vaut le coup. Ça, ça vaut le coup. Ah, j'avais vu ça. Le sac à rien. Les gants, c'est bien pour le... C'est du cuir ou du tissu? Je m'en rappelle plus. Du cuir. Recycler 10 minutes. Ok. Ça, on va le boire. Ok, très bien. On a 2 heures de feu. Alors, j'ai vu ça. Ça, c'est pour nous. Attends, on va faire ça. Oh, ça aurait été trop bien de prendre ça. La grosse scie comme ça. Enfin, après, est-ce que ça serait vraiment utile d'avoir une grosse scie comme ça? Si on est déjà une hache. Non, c'est le feu qui crépitait. J'ai cru entendre des pas. Non, en fait, c'est le feu. La zone a l'air méga grande de ce côté-là. Ça, ça vaut le coup. Honnêtement, la zone maintenant, elle... Parce que j'essaye toujours de peser un peu le pour et le contre, genre qu'est-ce qu'on gagne à aller dans un endroit. Je vais être honnête. Là, rien que pour le coup des massettes et des champis, des baies, tout ça. Ouais, honnêtement, ouais. Ça vaut l'aventure. Ouais, ouais, ouais. Ça vaut l'aventure. Parce que c'est des... C'est quand même des ressources assez rares. Plein de bois partout. Ça aussi, pour ça, hein, tout simplement. On en a deux. Rien que pour ça, c'est pas mal. Alors... Ouais, honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut largement le coup. Je suis content. Ça me pose. Ce qu'on pourrait faire, c'est un feu ici. On a quoi, 1 kg? On a surtout la peau, en fait. On a surtout la peau que je voudrais récupérer. Et 1 kg de viande, c'est toujours ça de prix. Alors par contre, le problème, encore une fois, c'est qu'on est un peu bloqué à faire du feu. Pour le moment, notre plus gros problème, c'est ça. C'est qu'on est bloqué à faire du feu. Il n'y a rien à casser, en plus. Ma maison. Donc, c'est ça, un problème, ça. C'est un petit problème. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux aller couper la carcasse vite fait. Parce que après je me suis... Alors, on fait peut-être un feu à côté de la carcasse. Je vais être honnête, on n'a peut-être pas besoin de faire un feu à côté de la carcasse. S'il fait pas extrêmement froid. Donc on va en profiter. Je sais même pas si ça réchauffe, honnêtement. Là, on va avoir froid. Quoique... Ouais. Très bien. Voilà. Très bien. 39 minutes, on a encore 3 heures de feu. Bon, ça va, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je
pense qu'on va déposer la peau dans cette maison-là. Putain, ça, on peut pas... On peut, y a rien à casser, on peut, ça, c'est bête, ça. Y a vraiment strictement rien à casser. Même ça, en fait, on peut le déposer là. On va peut-être déposer toutes les choses qu'on en a, qu'on n'a pas besoin, genre de transporter. Parce qu'on va sûrement repasser par le même chemin pour partir, en fait. Donc, là, à la limite, autant voyager léger, et après on revient et on fait le tri de ce qu'on prend. Je pense que c'est le plus sensé. On a quoi, 21 minutes. Je vais voir s'il n'y a pas des encore un peu de bois. Monte. Est-ce qu'il n'y a pas des bestioles surtout? Ça a l'air d'être assez profond, hein. Comme zone. Je vais être honnête, ça a l'air d'être assez profond. On a encore des champignons. Oh, so cold. Ouh là là, ça va. Plume. Ok. Gibier cuit. J'ai envie de... 6 heures de feu. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Là on a un feu qui peut pas s'éteindre pendant 6 heures. Il est très chaud. Donc je pense qu'on va pouvoir finir notre nuit ici. Je crois qu'on va mettre fin à l'épisode et on va finir notre nuit. D'abord je voudrais faire ça. C'est quoi? 30, 45 minutes, très bien. Après on a ça, on a quoi encore? 30 minutes, ok, ça va. Ok, 5h30. On peut voir si on peut pas... On va prendre l'arc à la main quand même. Genre 3 branches de plus. Genre là aussi. Petites branches de plus, ça vaut le coup, hein, ça vaut le coup de faire ça. C'est une branche pour nous, c'est quoi une branche? C'est genre 15 minutes de feu ou même plus, 20 minutes, je crois. Donc ça vaut complètement le coup. Ouh, on va pas sortir avec ce temps là. Je déteste ce temps là, on voit quasiment rien. Voilà, très bien. Voilà, 7h. Ok. Donc là on a 990 de calories, on va le garder de côté. Là on a 875. Ok, donc on peut manger un steak en entier. Très bien. Peut-être manger le reste. Voilà. Ça, on va dormir. Ça va être la fin de notre épisode. Hein. Ça va être la fin de notre épisode. Parce que j'ai l'impression que la zone est quand même un peu grande. Donc du coup, on va explorer un peu plus. Donc ça va sûrement nous prendre un peu de temps. Si jamais la zone elle est plus, en fait, elle est un peu plus petite que ce que qu'on croit. Du coup, on repartira à notre camp, à la maison, enfin à la prison, quoi, à la prison. Mais ouais, là on est pas mal. On a de l'eau, on a encore 4 litres d'eau. Peut-être faire ça vite fait. Okay. Ok. 6h20 de feu. Et on a 4.
en mettre là. Ça. Ça aussi, on les prendra, les conserves. Ouais. Allez, on va dormir le maximum qu'on peut. Et on va continuer donc la prochaine fois notre aventure dans cette nouvelle zone. C'est cool, merci beaucoup de m'avoir dit pour la zone. On a trouvé plein de massettes. Un kit de couture, ça c'est cool. On a trouvé des bois. On a trouvé des bois pour faire les flèches. On a trouvé ça. Bon, honnêtement, le pistolet le fusée, on s'en fout. On a eu quoi d'autre? Plein de baies, de champignons, c'est cool. On était à 5 et 5. Là, on est à 7 et 6, c'est bien. Avec tout ce qu'on a utilisé pendant le chemin, je parle. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est cool. C'est une bonne découverte. Donc on va rester avec notre copain Steve. Et on va dormir pendant 5 heures, je dirais. 6 heures, peut-être. Peut-être 6 heures, allez. 6 heures, un bon 6 heures de sommeil. 7 heures, 7 heures. 6 heures, 7 heures. Putain, je sais pas moi. 7 heures, 7 heures. J'espère qu'on va avoir encore un peu de feu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.